Eh bien salut tout le monde, c'est Full Game Set, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 10 de The Witcher, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, on se retrouve directement au marais qu'on avait brièvement exploré dans l'épisode précédent. Alors, l'épisode précédent n'était pas fameux, je vais pas vous mentir, même pour moi, on avait fait pas mal d'allers-retours, on avait surtout un petit peu avancé la quête de concernant le glaive du sorceleur en question, dont j'ai déjà oublié son nom. Et je vous avais dit que je ferais en off les autres quêtes de chasse et tout. Alors, je vous explique. Donc j'ai fait du off, bien évident. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai un bug Alors, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Déjà, en quête principale, j'ai acquis Argilière, qui est donc une quête concernant Vaska. Et Vaska, qui est un personnage d'une vieille femme, qui se trouve dans la... qui se trouve au marais. Alors, on la fera plus tard, hein, c'est pas la priorité. Donc, j'ai avancé dans quelques quêtes de chasse, notamment les noyadés, les équinopes, je n'ai pas réussi, et donc je ne l'ai pas avancé, et je n'ai pas l'information pour les affronter. Mais par contre, pour ce qui est de Coleman et tout, donc ça, j'ai conclu leur quête. Et en vrai, ils étaient pas liés à la salamandre, mais ils étaient contre un peu la salamandre, donc du coup... ça, voilà, c'était pas trop nécessaire. J'ai rencontré un messager aussi qui permettait justement de revendre les fameux écussons de salamandre. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petites rencontres de ce genre. Et j'ai pas trop avancé pour la quête du souvenir d'un glaive, Dalar et Vincent et Vivaldi. Vivaldi qui est un nain. Donc, de toute manière, on va relire un petit peu. Donc, dans tous les cas, en gros, tout ça, c'est quêtes en question ici, plus le secret de Berengar. C'est surtout des quêtes concernant, c'est du secondaire certes, mais c'est on va dire du secondaire qui a l'air intéressant. Donc voilà, et pourquoi est-ce que je vous retrouve au marais? C'est parce que en me baladant, alors je pense que je peux vous montrer sur la carte. Je l'avais pas fait. En haut à droite de la carte, il y a une zone en fait, que j'ai préféré vous garder, mais je sais ce qu'on va pouvoir y récupérer, c'est pour ça que je n'ai pas mis en affiche. On va pouvoir, en y allant en fait, on va trouver un village, une zone on va dire, pour acquérir une troisième magie. Donc je vais la découvrir en même temps que vous. Donc voilà, donc aujourd'hui on va surtout faire les quêtes de Berengar et de la suite d'Argile. De toute manière, moi, j'envisageais pas de faire le marais aujourd'hui parce que c'est une zone qui est assez difficile quand même. Le marais, c'est pas très très facile. Mais je pense que, voilà, dans tous les cas, il faut qu'on retourne à un moment donné à l'ours pourlu pour parler au messager. Le messager, je l'ai déjà rencontré. Donc, je sais à quoi il ressemble. Et Vivaldi, voilà, Raymond m'a remis des notes qui indiquent une sorte de lien entre Vivaldi et le banquier Azar Javed. Je vais parler aux nains, essayer d'en apprendre davantage. Voilà, donc c'est vraiment des quêtes supplémentaires. Et bien évidemment, on a la quête de l'entrepôt, rappelez-vous, avec le Vincent. Donc voilà, on va, je pense, principalement faire les souvenirs et les suspects. Souvenirs de glaive. Donc Zoltan, je sais où il est à la taverne. Donc voilà, donc ça sera surtout un épisode encore secondaire, certes, mais cette fois-ci un peu plus axé sur certaines quêtes. Voilà, les autres quêtes de chasse et tout, j'ai acquis pas mal d'or aussi hein, dans d'autres quêtes, parce que voilà, j'ai acquis d'autres quêtes, mais c'était des quêtes un peu plus mineures. Ça donnait pas plus d'informations, à part juste que voilà, les personnages donnaient leur avis un peu sur la salamandre et tout, s'ils étaient ou non au cours. Donc voilà, alors, attendez, je voulais voir... inventaire, voilà. Donc j'ai 2700 orin, donc voilà, j'ai vraiment acquis des trucs. J'ai confectionné quelques... je suis perdu, quoi qu'il faut que j'aille vers le nord. J'ai confectionné quelques élixirs, tout ça, donc voilà. Donc, parmi les créatures, donc les noyadés, bon, c'est les noyeurs, mais un peu plus fort. Et les Bloodzigger, ils sont pas difficiles, mais par contre, quand ils attaquent, ils balancent un nuage de toxique qui fait assez mal. Donc voilà, donc on va juste faire ce petit aller-retour à ce fameux village pour récupérer... alors, il y a les golems aussi. Alors, les golems, j'ai rien compris. Dans ma tête, je me suis dit que il y avait un truc à activer. En fait, on peut activer les pylônes, mais quand je l'ai fait, je me suis fait buter. Donc, je pense que c'est pour une quête plus tard. Tout simplement en lien avec cela. Donc, attends, je regarde où je vais. Ok, donc c'est bon, on arrive sur le chemin. Donc, voilà. Donc, on va récupérer cette magie, parce que voilà, c'est vraiment une nouvelle zone. Alors, il y a... zone des ruines, d'accord. Alors, on va les ignorer, ça sert à rien. Alors, je me trompe pas de chemin quand même. Tac, tac, tac. Obélisque, tour effondré. Ok, faut que j'aille là. Ok.
Ah, oula, on a des wyverns. Alors ça, par contre, je les avais jamais vus, ceux-là. Ok, les wyverns, je savais pas qu'on en affrontait. Alors, je sais qu'il y a une zone ici. Hein. Il y a une zone à chercher. Ça doit être plus par là, je pense. Plus vers le... Ah, il y a des loups. Ah, mais c'est cool, ça. Parce que, alors, les loups, à titre personnel, je ne les trouvais pas. Ça disait que c'était les marais et tout ça, mais les loups, je ne les ai jamais trouvés. Donc, c'est pas plus mal. On va peut-être s'en faire quelques-unes. Je rappelle que les loups, j'en ai besoin pour leur peau. Alors, normalement, voilà, ça devrait être rapide. Voilà, bon. C'était pas prévu, un petit peu de chasse. Écoutez, c'est pas grave. Ah! Oula! Bonjour, messieurs! Bon, eux, ils sont pas très difficiles. Ils sont assez faciles à tuer. Hop, voilà. Alors, par contre, il y a l'autre là qui attaque, ça va pas le faire. Ok. Vous me faites chier, vous, les gars. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Allez, attaque, stop. Attaque! Attaque! Gérald! Oh, je vais pas mourir connement, quand même. Putain, j'essaye. C'est déjà le début. Je me fais défoncer. Hop, hop, hop. Voilà, putain, la vache, quoi. On a à peine commencé que je me suis fait défoncer. Ok, bon, bah, écoutez, c'est pas grave, ça commence dur. Voilà, donc, bon, on va faire quelques loups. Alors, c'est quoi? C'est peau de loup, donc c'est bien ça. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, les loups, on va en faire quelques-uns. Je crois qu'il en faut 6. Si je dis pas de conneries, il en faut 6. Alors, par contre, on va user d'un élixir. J'ai pas trop le choix. Donc voilà, donc ça sera un épisode bien sûr secondaire, mais un peu plus, un peu mieux orchestré. Voilà, c'est ici la zone qu'il faut que j'aille. Alors attendez, je regarde la quête tout en premier parce que là, les loups, je les avais oubliés. Quête sur les loups, il faut que j'en ai 10. Ok, donc j'en ai déjà, je crois, 3, 2. J'en ai, je vais retrouver, j'en ai 2. Ok. Bon, et les loups, visiblement, c'est pas les plus difficiles à tuer quand même. Voilà. On va peut-être se mettre en mode loup, comme ça on fera plus de dégâts. Ok, bon, ça va, ça a l'air facile quand même. Allez, on va se les faire. Bah voilà, c'est. Alors au loin, si vous voyez la zone, c'est là où on doit aller. Voilà, c'est ici qu'on doit aller, tout simplement. Et en fait, c'est chez les druides. Tout simplement, c'est des druides qui vivent là. Donc c'est des druides et puis des wyverns, il y avait des craies, voilà, ils sont en vert, donc ça veut dire qu'ils sont inoffensifs. Et on a une zone de loups, alors on peut parler aux gens, mais je les ai pas fait ceux-là. Je sais pas si ça peut donner quelque chose. Salut, je viens un mot de plus pour me dire comment trouver le foyer que je n'ai jamais eu et... Le sarcasme, okay, c'est préfère un elfe. J'ai passé des décennies parmi les humains. Des décennies? À vivre aussi longtemps parmi les humains. Vous parlez d'ex... Quelle répartie? Et moi, Yevin. Alors, Yevin, d'accord, je sais pas qui c'est. Ah oui? Je suis en quête de travail. Ah, ok, bon, je dois faire parvenir une lettre à Vizima. Bon, ok. Je ne suis pas le bienvenu. Vous triomphez. À qui dois-je la... À Vivaldi. Oh, bah, ça part, c'est parfait, on doit le voir en plus. Bon, bah, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc c'est ici la nouvelle magie. Donc, cercle du pouvoir malvenu. Ok, vous avez appris Irden. Vous avez appris le signe Irden. C'est un piège magique qui ralentit vos adversaires. Choisissez un signe à gauche. D'accord, ok. Cliquez sur le bouton droit, ok. Quand vous l'amplifiez, Irden inflige aussi des dégâts. Votre adversaire peut les empoisonner et les affaiblir. Relève tout de suite. Ok, donc ça peut être pratique pour faire des dégâts en continu. Alors les druides, je sais pas si on peut parler. Je sais pas si on peut faire quoi que ce soit. Voilà, c'était ici. Moi, j'étais pas allé plus loin. Croire la végétation dans la zone. Alors le vieux druide, je peux lui parler? Non, pas du tout. Donc écoutez, bon, on va s'arrêter là. Hein. Bah, enfin, pour cette zone en tout cas. Moi, je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est... alors, les loups, on peut peut-être... je peux peut-être refaire... Au pire, ce que je peux faire, c'est que durant mon... Je vous retrouve. Hop. Hop, et voilà. Ça fait...
Bon, ce que je vais faire, moi, c'est qu'on va retourner, bien évidemment, au quartier du temple, à Vizima. Je vous fais une ellipse. Moi, je pense qu'entre-temps, je vais en profiter pour me faire quelques loups. Je vais rendre la quête, comme ça, ça me fera de l'argent au passage. Voilà, parce que là, on en a quand même 7. Ouais, donc ça avance bien, quand même. Donc voilà, bon bah écoutez, on a une quête, dans tous les cas il faut qu'on fasse la quête de l'entrepôt. Moi j'envisageais d'abord de faire la quête de l'entrepôt et après on fait les autres quêtes des suspects. Donc écoutez, voilà, donc un épisode un peu plus j'espère organisé que l'épisode précédent où on a fait un peu tout et n'importe quoi. On était, même si c'était principalement axé quand même sur cette quête du glaive. Donc voilà, de toute manière tout est à Vizima maintenant. Les autres quêtes c'est des créatures, donc ça c'est pour plus tard, les créatures ça peut attendre. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, re tout le monde, ça y est, nous sommes de retour au quartier du temple. Alors j'en ai profité, alors j'ai pas pu tuer tous les loups, hein, mais bon, il m'en restait encore 3. Mais par contre, j'ai fait une petite quête qui était sur le chemin du retour, où il fallait que je cueille des fleurs, il faut juste que je rende des comptes à l'elfe que j'avais rencontré, parce que j'ai également trouvé une zone avec des elfes. Donc voilà, donc on va faire la quête avec l'entrepôt, donc avec Vincent, on va relire un petit peu le synopsis de la quête quand même. Vincent n'a pas vraiment du genre bavard, mais il a parlé de patrouilles de surveillance dans divers entrepôts à minuit, pour lesquels il n'est pas payé. Ça m'a semblé bizarre. Il serait peut-être intéressant d'aller voir ce qui peut se passer dans un entrepôt des quartiers pauvres à minuit. C'est peut-être intéressant d'aller voir les entrepôts à minuit. Ok, donc on est parti. De toute manière, la sauvegarde auto de fait. Je regarde un peu. Alors, je sais plus si je l'avais dit, mais j'avais... ou si je l'avais fait avec vous. Parce qu'en off, j'ai fait pas mal de petites recherches quand même. Bon, j'ai gagné un petit peu d'argent dû aux petites quêtes en off que j'ai fait à l'instant. Et tout simplement, j'ai remis un peu dans la... J'ai revendu, enfin j'ai pas revendu, mais j'ai mis dans le coffre plein d'équipements, plein d'inventaire. Ça, faudra que je pense à l'acheter, le nouveau, mais je crois que c'est 4000, je crois. Donc on a encore le temps de la racheter. Donc voilà, il y a pas mal de choses à plus tard acheter. J'ai gardé mes anneaux parce que je me dis que ça peut toujours être utile comme cadeau en guise de paiement, de pot de vin. Et niveau alchimie, voilà, j'avais fait quelques élixirs mais sans plus quoi. Donc on est parti, direction l'entrepôt. Javed et le professeur ont disparu. Mais mieux vaut un qu'aucun. Allons-y. Faut que je bastonne quelqu'un. Qui est-ce ? Ce n'était pas notre accord. C'est juste un sorceleur. Vous savez que les sorceleurs sont des golems dénués de volonté propre qui obéissent au doigt et à l'œil sans se plaindre. N'est-ce pas, Geralt ? Oui. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Et puis... Vous n'êtes pas venu seul. Alors, notre accord. Je ne lui fais pas confiance. À ce qu'on dit, c'est un enfoiré d'assassins qui a tué une dizaine des nôtres. Nous n'allons pas jouer à qui a tué qui. C'est du passé. Intéressons-nous à l'avenir. Votre avenir est compromis si Javed apprend que vous l'avez trahi. Et croyez-moi, il l'apprendra vite si vous ne vous mettez pas à table. Tu ne m'effraies pas avec tes menaces en l'air. Assez. Où est Javed ? Où sont les secrets des sorceleurs ? Répondez avant que je vous donne à bouffer aux rats ! Vincent, arrête-le ! Je ne sais rien. J'étais l'assistant du comptable de la salamandre. Javed a commencé à se méfier de moi. Je ne sais ni où il est, ni ce qu'il compte faire. Le professeur ? Je ne sais pas, il est parti en mission. Connerie. Je vais vous en donner des raisons de parler. Tu m'as promis une protection contre mon témoignage. Sur la tombe de ma mère, je sais rien ! Arrête-le, t'es de la police ! C'est un meurtre, tu vas pas rester là à le regarder ! Non, je m'en vais. Et puis, je sais que vous avez participé au meurtre de la famille de Raymond. Abrégé, sorceleur. Allez ! Ok, bon, c'est sympa. Alors, attendez, on va juste en mettre en mode... Alors, attendez, c'est quelle touche pour la magie ? C'est là. Ok, on va tester la magie. Ah oui, ça fait quand même son effet. C'est pratique, ouais, bon, on teste, hein. Alors, on va juste remettre l'autre magie d'art, parce que la magie d'art, c'est quand même pratique. Hop. Bon, petit combat des familles, tranquille. Ouais, le Vincent, pour moi, même s'il est un peu... bon, il est ce qu'il est, je pense qu'il fait son boulot, tout simplement.
mets-toi en mode loup. Voilà. Alors on va peut-être relire un peu le... Comment dire? Alors ça fait quoi? C'est pas assez. On va peut-être relire vite fait les notes du personnage de Vincent pour savoir un petit peu où on en est, parce que je vais pas mentir, avec les quêtes annexes, je vais pas vous mentir, je m'y perds un petit peu. Moi je suis resté encore dans ma tête récupérer notre équipement, le glaive perdu et Berengar et tout ça. Alors reste. Alors attendez. Personnage boucanier. Alors oui, ça c'est aussi un personnage que j'ai rencontré aussi dans. Qu'on l'avait vu, je crois, il me semble. Il sera impliqué dans la disparition de Berengar, voilà, c'est ça. J'ai rencontré Berengar dans le chef d'un groupe de bandits du quartier du Temple, il ne se fait pas très bonne impression. Ok, donc potentiellement impliqué dans Berengar. Golan Tivaldi, voilà, donc lui c'est celui qu'on doit rencontrer. Est un nain très susceptible de si l'on s'en prend à sa race. Golan possédait encore récemment une banque dans le quartier des marchands. Il a fait faillite depuis. La caution versée par la libération du professeur provenait de la banque de Vivaldi. C'est ainsi que ce criminel peut divaguer librement. Vivaldi a des relations avec des non-humains, notamment Skoyatel persécuté. Encore une fois, tout ça était très intéressant. Shani, bon, ça on va pas y revenir. Vaska, donc ça c'est la mémé que j'avais rencontrée. Vaska était à la tête des briquetiers qui vivent dans les marais. Elle parle par énigme, elle semble un peu folle. Alors Yavin, ah oui, voilà, le Yavin c'est celui que j'ai rencontré. C'est l'elfe à qui j'avais fait la quête des fleurs durant l'ellipse de tout à l'heure. Il faut reconnaître que cet homme a dépourvu. Alors le Vincent, où est-ce qu'il est le Vincent? Bah où il est? Je l'ai perdu. Ah non, il était là, ok. Alors, capitaine de la ville a libéré de prison le professeur, l'un des criminels les plus recherchés de Temeria, d'accord. Vincent est le capitaine de la garde de la ville, c'est le principal représentant de la loi royale dans le quartier du Temple. Vincent Metz était l'un des rares à savoir que j'étais descendu dans les égouts pour tuer le coq Atrix et que je ne pouvais pas en ressortir où j'ai rencontré le bandit de la Salamande. D'accord. Eh ben, on est parti, on va aller revoir Coco. Donc voilà, je pense qu'on va principalement se concentrer sur ce type de quête et à voir où ça va nous mener, tout simplement. Mais en tout cas, ça reste quand même plutôt intéressant. Si on peut se gagner un petit peu d'XP facilement avec, ça sera ça. C'est vrai que j'avais dit dans l'épisode précédent qu'on ferait la quête principale, mais quand j'ai vu l'importance de ces quêtes secondaires, quand même, on parle de Berengar et tout ça, j'avais peur que... Enfin, que ça soit salaud de ma part, que vous le sachiez pas non plus, quoi. Donc voilà, j'ai fait mon tri sur les quêtes à faire en off, et puis voilà. Là, tout ce qui est quête un peu scénarisée, si je puis dire, avec une intention prolongée de la quête, genre Berengar, le glaive et tout, ça, je pense que ça mérite quand même qu'on y apporte une petite attention dans l'aventure qu'on fait. De toute manière, encore une fois, je vais prendre mon temps hein, pour vous faire l'aventure, donc voilà. Alors, c'est par où je dois aller? C'est là? C'est pour là. Où est-ce qu'il est? Je peux prendre. Je peux pas passer. Ah! Tout simplement les donjons, je pense. Faut que j'aille en donjon, je pense, tout simplement, peut-être. Il doit y être. Pas du tout. Il est pas là. Ok. Attends, mais il est où? J'ai loupé de peu? Tu vas pas me dire qu'il faut que j'attende quand même. Attends, il colle pas là. Quête. Il est temps d'aller voir d'avoir une conversation. J'ai éliminé la salamande, il est temps. Ok, d'accord, mais ça me dit pas. Poste de Vincent. Bah, c'est bon, on est là. Est-ce que je dois attendre qui se déplace? Oh, ça c'est chiant ça. Par contre, si à chaque fois il y a des petits bugs comme ça, ça va être un peu emmerdant ça. Oh putain. Ah, j'aime pas quand ça bug comme ça. Enfin, quand ça bug pas, mais quand il faut attendre comme ça, c'est de la perte de temps, je trouve, perso. Bon, alors attendez, on va pas s'arrêter là, hein, je vous rassure. De toute manière, il va falloir qu'on aille le revoir. Ah, ça me vient parce que ça coupe l'élan de la quête, ça. C'est un peu chiant ça. Bon bah écoutez, je vous fais une ellipse, hein. À tout de suite. Ok, le Vincent est là. On va pouvoir discuter sérieusement avec lui. Comment ça s'est passé à l'entrepôt après mon départ? Vite. Bon, j'admets que j'espérais plus, mais ça fait toujours quelques bandits en moins.
C'est la dernière fois que vous me manipulez. Je n'ai pas la vocation de vengeur. Je n'avais guère le choix, croyez-moi. Ça n'arrivera plus. Vous avez ma parole. J'imagine que vous allez continuer votre enquête. Je n'ai pas le choix. Officiellement, je ne peux pas vous aider. Mais j'espère que vous me direz ce que vous apprendrez. J'ai ici une lettre signée de la main de Yevin, le chef d'une bande des courriers. Ça, c'est quand j'ai dû le rencontrer tout à l'heure. Ça pourrait intéresser les autorités. Montrez-la-moi. Tenez. Intéressant. Merci. Ok, bon, ça à mon avis, j'avais oublié que j'avais cette quête. Qu'y a-t-il ? Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure, Yveline. Ok, je sais que vous avez vos relations avec la salamandre. Je sais pour vos relations avec la salamandre. Je tremble de curiosité. J'ai la preuve irréfutable que vous n'êtes pas impliqué. J'ai la preuve irréfutable que vous n'êtes pas impliqué. J'aurais aimé entendre ça plus tôt. Eh bien ? Ceci est un anneau de garde de la cité. Passez-le et les gardes ne vous ennuieront pas. Ah, merci. Parfait ça ! Autre chose sur la salamandre ? La salamandre veut prendre le contrôle du trafic de Fistek. Javed a senti l'odeur de l'or, et il en abuse lui-même. Alors le Fistek, rappelez-vous, c'est la drogue. Hein. Vous avez 25 ans, hein. J'ai tiré à ce que j'ai trouvé la preuve de son sang, vous avez pris aussi le résultat de votre enquête. Ok, alors... on va s'équiper de l'anneau. Chevalier de la garde, hop. Voilà, comme ça on a les deux anneaux, je rappelle que... Voilà. Je rappelle que les anneaux, ça nous permet de passer facilement. Alors, pendant que j'étais là, j'avais croisé Zoltan, le nain. Et si je dis pas de conneries, voilà, il est là. J'ai une quête à lui faire part. Alors, attendez, je vais regarder la carte, la quête, son poids en or. J'ai donné la lettre à Vincent, je dois retourner aller voir Yveline avec un mensonge qui a l'air innocent. Alors, Yveline, on est d'accord que... Ouais, c'est ça, c'est l'elfe que j'avais rencontré. On fera ça plus tard. Pour l'instant, on va faire... Alors, attends. Zoltan, voilà. Souvenir d'un glaive, voilà. Je devrais parler à Zoltan, il en fait... Alors, Shani m'a parlé de Cohen, un sorceleur que j'ai connu. Il est mort pendant la bataille de Brenna. Quant au glaive, je devrais en apprendre... parler à Zoltan, il est très au fait de ce genre de choses. Ok. Comme ça, on continue la continuité de la quête de l'épisode précédent. Content de te voir. Tu as réussi à entrer dans la cité? Bravo. Et toi? Comment tu... Ces saletés de non-humains trouvent toujours un... Arrête ton numéro. Je t'écoute. Alors, tu as une... Qu'est-ce qui te chiffonne? Je t'avertis, c'est que... le sens de la vie. Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Les ténèbres chassent la lumière de la sagesse, la lueur de l'espoir, l'éclat de la chaleur. Et au cœur des ténèbres ne se trouvent que sang, crocs et griffes, comme dans les faubourgs. Joliment dit. Mais comme le demanda la jeune Chéro au roi Vridank lors de leur premier rendez-vous, ça sert à quoi au juste? Le droit des sorceleurs à vivre et à exister. Bon, on va pas tout écouter, ça a l'air. Ok, merci Zoltan. Alors je pense qu'il devait donner l'information. Attends, si je t'en parle. Ok. Chemin, comment ça va? Tu connais la bande que de Vivaldi? On va tu en profiter. Connais la banque de Vivaldi? Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça? Nouveau propriétaire. Des humains. Ah. Ça explique beaucoup de choses. D'accord. Vraiment? Ok, j'ai déjà remporté quelques parties de poker. J'ai déjà remporté... Félicitations! Tu n'es plus... Où est-ce que je peux trouver les célèbres joueurs de poker de Vizima? Okay, bon, où se sûrement... trouvent tous? Ça va être... Ne t'étonne pas si quelqu'un... Et un professionnel... Un joueur avec au moins... Il faut que je... D'accord, bon ça c'est d'accord, c'est du secondaire. Alors, on va lui parler de... Que du peux-tu glaive. Me dire sur mon glaive en argent? Moi? Un simple nain? Shani affirme que ta connaissance des armes est sans égale. Voyons. Un glaive plaqué en argent, une base en acier... Conçu pour être tenu à deux mains, de la belle œuvre, mais loin d'être parfaite. Pour les runes, c'est pas mon domaine. Merci. De rien. Ok, donc c'est tout. Adieu. On va dire qu'on a eu ce qu'on voulait. Je vais essayer de jouer au poker. Ok, bon, ça c'est la quête du poker. Je possède un glaive de sorceleur de première qualité. D'accord, c'est juste ça? Ok, bon, on a terminé la quête. Alors, une partie de... Bon, ça, ok, ça, c'est plus tard. Vieille imité, je devrais discuter avec elle le plus souvent, d'accord. Bah, écoutez, je pense qu'on va faire Talar.
Et tout à l'heure, je crois qu'il a notre équipement, il me semble. Bah, il a des trucs. Donc, on va en profiter. Voilà, on va vraiment faire les quêtes ici de la zone. Tranquillement. Et pour ce qui est des quêtes à rendre dans le marais, j'irai de moi-même. Et d'ailleurs, quand j'étais au marais, j'ai croisé une vieille tour en ruine. Et je pouvais pas y rentrer. Donc, ça veut dire que j'en aurai l'utilité plus tard. Alors, tu te décides ? Alors, salut, toi. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent, lui, déjà ? Ok, vendez. Ok. Rune du soleil. Chance incinération aveuglement, d'accord. Est-ce que je peux lui vendre des trucs? Rune de terre. Ah, je peux lui vendre, ok. Bon, ça dépend des gens en fait. Pour vendre les trucs. Bon, ça, je ferai ça plus tard. Alors, tu les en as fait avec les salamandres. Où t'allais et pêcher une idée pareille? Comment as-tu récupéré les affaires de Berengar? Je suis Rustler. Tu crois que je pose des questions aux voleurs? La salamandre a les sorceleurs dans le nez. Berengar disparaît et ses affaires finissent entre tes mains. Tu me suis? Je le connais pas, ton Berengar. Je vais me rencarder chez mes fournisseurs. Je tiendrai pas longtemps si je revendais des trucs que je volais moi-même. Bon, à mon avis, je pense qu'il dit la vérité. Je te crois. Innocent jusqu'à preuve du contraire, j'imagine. Mettons que c'est un verdict d'innocence temporaire. Ben, merde alors, quelle analyse brillante! Si tu manques d'infos, déboule ici, on causera. Ok, donc si on a de nouvelles preuves, on saura quoi faire. Alors, donc lui, il dit qu'il y est trop pour rien. Je peux descendre, ça fait quoi? Escalier qui descend, ça mène où? Ok. Et ici. Ok, y a rien de plus. Bon. Donc, visiblement, on peut pas aller plus loin avec sa quête. Je trouverai l'enquête si je trouve de nouvelles preuves. Vous aurez plus de renseignements sur Talar dans la section personnages du journal. Ok, alors personnage. Alors, hasard Javel, l'homme recherche, il consomme une grande quantité de cette drogue. Ok. Alors, merde, c'est quoi déjà le nom du personnage? J'ai déjà oublié. Talar. Alors, Talar. Alors, Talar vend le matériel de sorceleur de Berengar. Je me demande comment ces objets sont arrivés en sa position. Dans la journée, on peut retrouver sa boutique dans la maison du quartier du temple. Le sorceleur est un homme repoussant au langage particulièrement ordurier. D'accord. Alors, donc Vivaldi, écoutez, je pense qu'on va faire ceci. Hein. On va faire Vivaldi parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire avec lui. Donc, le fameux banquier, qui visiblement ne l'est plus vraiment, mais bon... C'est les humains qui ont pris la relève pour son travail. Donc on est parti. Et je pense qu'une fois qu'on aura fini ces quêtes-là, bah le restant, mis à part la quête de Vaska, je le ferai avec vous, je pense. Parce que la quête de Vaska, c'est lié à Berengar, en fait. Où, en fait, elle aurait croisé Berengar dans le coin. Près d'un puits, excusez-moi, j'ai un petit peu le hoquet. Près d'un puits et il y aurait potentiellement des restes. Donc on va enquêter, il faut qu'on tue les monstres dans le coin et trouver ce qu'on peut. Voilà, tout simplement. Mais quand je l'ai rencontré cette femme, c'est vrai que quand elle a parlé de Berengar, j'ai fait « Ah, c'est intéressant. » Allez, direction Vivaldi. Et pas le compositeur. Alors, vieille étagère, qu'est-ce que tu veux? Il a pourquoi pas. Déjà, mon inventaire est plein. Ok, non. Ah, baisse touche. Alors, Vivaldi. Comment? Salutations, nain. Premier mot prononcé est déjà de la ségrégation raciale. Comment dois-je vous appeler? Ah, les humains ont tout, et nous on n'a rien. Je ne suis pas humain. Et vous êtes quoi, alors? Un sorceleur, un mutant. Toutes mes excuses, je suis Golan Vivaldi. Mon cousin, Vim Vivaldi, a un jour rencontré un sorceleur spécialisé en recouvrement de dettes. Je m'appelle Geralt, et je ne recouvre pas les dettes. Qu'est-ce qui vous amène? Alors, je préfère récupérer vos biens, je m'efforce d'identifier d'une certaine organisation. J'espère que vous récupérerez vos biens. Cette banque a toujours été dans la famille, et maintenant des humains sans éducation. Ah! Vous appelez ça la justice? Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain?
Désolé pour de vous avoir soupçonné, je ne sais pas. Vraiment, je pense qu'il y est pour rien personnellement. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. C'est gentil d'être aussi franc envers un nain. Pas de quoi. Okay. J'ai des renseignements sur ce fait. Ah, ça peut être utile, ça, ouais. Parfois, un petit détail change tout. Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. D'accord. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magiciens de Banard. Mais okay. Il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité. Et la banque n'a gardé aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Ok, bah il m'a dit des choses intéressantes. Donc le suspect, non, pour moi c'était pas lui. Clairement, il en avait pas la gueule. Oh, salut toi. Alors attendez, maintenant qu'on a fait ça, donc on a la quête recherchée où il faut qu'on aille à l'ours poilu et il faut que j'aurais revoir Yveline. Alors le secret de Berengar, il faut que faut que j'aille de retour. Faut que je retourne tout simplement au marais pour ça. Ok, donc il nous reste plus que le marais, hein, plus ou moins maintenant. Et bien sûr, il y a la quête de l'argile, mais ça, c'est pour plus tard. Il faut qu'on tue tous les noyeurs. Bon, ça, c'est pour plus tard. Alors, rechercher. Donc, on va faire celui-ci. Hop, voilà, on va aller voir à la taverne. Bon, au moins, c'est bien. On a conclu quelques quêtes. Je m'attendais à ce que ça soit plus long, personnellement. Mais bon, écoutez. De toute manière, on va dire que l'épisode précédent, c'était vraiment la grosse découverte de la zone. Parce que clairement, là, on découvrait. Mais comme j'ai fait un peu de off... Alors toi, je t'avais parlé à toi. Non. Ok. Bon. Écoute, on va aller à la taverne, on va se renseigner un petit peu. Ah, bah il est là, boucanier, ça fait longtemps. Alors je crois qu'il a pas grand chose à nous dire, je crois, il me semble. Ok, plus tard. Il a rien à me dire. Ok, ah, le messager là, parfait. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Que voulez-vous? Alors, prenez un verre. Ok. Vous prenez un verre? Avec plaisir. Ok. On va boire un peu. Alors, vous pouvez boire l'alcool avec des personnages pendant le dialogue. Ok, donc ça, attention, si vous pouvez, puisque votre adversaire, vous risquez de perdre connaissance. D'accord, ok. Donc ça, je pense que c'est utile pour l'aventure. Le truc, c'est que j'ai rien, là, niveau bière. Le confort de soldat, c'est quoi? C'est boisson fortement alcoolisée, base pour de l'élixir. Base pour élixir. Poudre noire, salpêtre. Ah, le problème, c'est que j'ai remis tout ça dans le coffre. Ah, la boulette. Écoutez, on n'a pas trop de choix. Je vais devoir prendre ça. Je sais pas ce que ça fait si on en boit le plus possible. Eh oh, pourquoi vous avez fait ça? Alors maintenant qu'on est bourré, est-ce que ça change quelque chose? J'ai un écusson à Diorimp. Marché. L'année s'annonce difficile. Alors attends. Attends, il y a un truc que je suis pas. Offre de récompense pour les broches. Ok, bon, en fait, c'est juste pour des broches en fait. Et j'en ai combien d'inventaire? Attendez. Sont où les broches? Je les ai toutes vendues. Alors attends, est-ce que si je parle au tavernier que je récupère mes broches? Peut-être qu'au bout d'un certain nombre, peut-être qu'il m'en donne. C'est pas. Alors attends, les broches. Non, j'en ai pas plus. Ok, j'en ai vraiment pas plus, visiblement. Ok, bah écoutez, c'est un chou blanc. Bon, bah écoutez, c'est pas trop grave. Ah, Conrad. Attends, c'est qui lui, ce Conrad? Attends, il me dit rien, lui. Alors, à moins que j'ai dû lui parler, mais je m'en souviens plus. Ah, mais que si, le Conrad, on l'a vu, je crois. Ah non, moi je l'ai vu peut-être, ouais, non, je suis bête. Adieu. Voilà, je confonds entre ce que j'ai fait en off et ce que j'ai fait avec vous. Ok, bon bah écoutez, c'est pas trop grave.
On a bien avancé niveau quête quand même. Donc on va faire le secret de Berengar. Vaska, des chefs des brigatiers, m'a dit que Berengar traînait autour des puits d'argile. Je devrais chercher Berengar près des puits d'argile. Et fleur en or, ça c'est la quête à rendre à Yaren Bolt. On est parti, son pont en or, ça c'est... J'ai donné la lettre à Vincent, je dois retourner voir Yveline. D'accord, et secret de Talar. Ok, bah écoutez, on va terminer là-dessus, on va faire le secret de Berengar. Donc, direction le marais. Allez, à tout de suite. Ok, re tout le monde, ça y est, nous sommes au marais, donc j'ai regardé la carte, donc on est juste à côté pour faire la quête en question. Donc je rappelle que il faut qu'on tue, je crois, c'est ça, il faut qu'on traîne autour du puits d'argile pour trouver quelques informations sur Berengar. Et au pire des cas, on ira continuer. Alors en plus, je crois qu'il y a la quête principale avec cette femme en même temps. Alors, qu'est-ce que... Ennui. Ok, je crois que tu... Ah, ok. Les seigneurs arrivent. Dégage. Qui trône au-dessus des seigneurs? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, le gamin est un... Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Allez, mets-toi en mode chat, s'il te plaît. Alors, je pense qu'il faut qu'on tue tous les noyeurs pour être tranquille. Ok. Bon. On va analyser les lieux, hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors, cadavre mutilé. Alors, ça se trouve, il y a un truc à fouiller, c'est pas impossible. Mettons en mode aigle, s'il te plaît. Bon, ça va, c'est tranquille. Hein. Ok, c'était ça. Ok, c'est juste ça, fallait tuer les créatures. Ok. Bon, on va retourner voir Vaska. Alors, attendez, est-ce que la quête principale est liée à ça aussi, argilière? Je vais retrouver voir Vaska pour informer que les plus jeunes sont sûrs. Ok, donc c'était partie de la quête. Je vais chercher Berengar près du puits d'argile. Ok, donc la quête principale, visiblement, sur elle, c'est fait. Alors, puits d'argile. Alors, il y a peut-être un truc à faire. Non, on va pas prendre les restes, couillonne. On va prendre les restes, peut-être qu'il y a un truc à prendre au final. Alors, par contre, c'est un peu chiant par moment pour cliquer parce que c'est... Soit ça veut pas prendre en compte, soit ça prend en compte, c'est un peu galère. Alors, il y a un cadavre mutilé, peut-être que c'est ça. Écusson, fixtec, blessure. Ok. Ah, c'était ça, j'ai découvert que Berengar est mort. Ah, d'accord, donc il est mort. Tout ça pour ça? Ok, donc... Monsieur est mort. Bon. RIP, je m'attendais à un truc un peu plus... Ouais, c'est vraiment... Je veux dire, on t'en parle tout le long de l'aventure, on te dit, ouais, Berengar. Au final, tu trouves son cadavre, il s'est fait buter, et puis tant pis pour lui. C'est un peu triste, je trouve. Ça méritait un peu plus de développement, perso. Je m'attendais à un combat, tout ça. J'ai découvert que Mangama a annoncé la nouvelle à Vizemir. Bah putain, on n'est pas sorti de la berge hein, pour le revoir. Hein, donc Vizemir, je pense qu'on le rend. Quand on le verra, ça va venir sur le sujet. Bon, bah écoutez, on va parler à la vieille dame Vaska. C'était pas prévu, la petite quête principale avec elle, mais ok. Alors, ouais, Madame Vaska. Madame Vaska est là, et après on ira voir l'elfe pour rendre ce qu'il faut. Tu as... Alors, j'ai tué les noyeurs. Vous avez pitié de nous, et pourtant, je vous... Mais vous ne partirez pas sans récompense. Ah, et amulette d'Azed, symbole de la pitié. Alors, les amulettes, ça, je l'ai fait en off. Ça fera l'affaire. J'avais une amulette, et on pouvait le mettre... Alors, je sais plus si je l'avais fait avec vous ou pas dans l'épisode précédent. Qui sont ces seigneurs? Nous les vénérons. Et recevons ouais, la ça. Grâce des êtres issus de la profondeur. Et alors je crois que je l'avais fait en off, il me semble. En gros, vous savez, il y a plusieurs petits hôtels et faut mettre des pierres justement pour qu'elles s'illuminent. C'est ce qu'on voit illuminer l'air. Voilà, c'est ça. Ça fait partie d'une pierre. Alors attends, c'est laquelle qu'on a eue? Et j'en ai vu plusieurs hein, en me baladant. Sephira. Alors Sephira et non Saphira comme le dragon de Eragon. Alors. Obélisque, Sephira, Od, Ménit, Bina, Golem, Tour de Mage, AZ. Ah, c'est AZ, je crois. Tour effondrée. Donc, Cite Énergie, Maison de PP. Je crois que c'est AZ, il me semble, si je dis pas de conneries. Alors, attends, inventaire, s'il te plaît, inventaire. Sephira d'AZ, c'est bien ça. Ok, bon. De toute manière, si on le croise, on ira.
Alors, quête. Donc, fleur en or, Berengar, ça c'est pour plus tard. Yaren, donc il est où, Coco, Yaren? Ah oui, Yaren, c'est le nain, en effet. Alors, Yaren, oui, j'ai confondu. Yaren, c'est un nain que j'ai rencontré pendant l'ellipse au début de l'épisode. Donc, en gros, il fallait remettre les fleurs au passeur et en échange, il te donnait une petite récompense, voilà, tout simplement. Donc, on va y aller, mais on va aller surtout rejoindre l'elfe que j'ai rencontré. Voilà, à tout de suite. Ok, tout le monde, ça y est, je suis arrivé sur les lieux. Donc, c'est une zone de bûcherons, hein, tout simplement. Et, tout simplement, on va parler au gars. Alors, t'es là. Parle. Alors, le passeur m'a réglé pour les plantes. Vous êtes responsable de la coupe des arbres. Ok. Le passeur m'a réglé. C'est pas trop tôt. Voici votre. C'est un plaisir de. Pareillement, il y a. Parle. Vous avez du travail pour. Écoute, avec ces monstres, ça devient difficile d'aller jusqu'à Vizima. Et ces hommes-poissons me cherchent des poux. Ok, hommes-poissons. Vous voulez que je sécurise la route et que. Ouais. On commence à être à court de ravitaillement. Qu'est-ce que vous savez sur ces. Il y a surtout des noyeurs, des Bloodzwiggers et des équinoxes. Oh putain, les équinoxes. Où se trouvent ces hommes-poissons? Il y en a du côté des villages des briquetiers, mais que la nuit. Ça devrait. D'accord, aller. Ok, bon, la nuit, ok, nuit, bon. 200 euros, hein, je crois que j'ai vu que j'ai gagné. Où se trouvent les hommes-poissons? Je suis encore un nettoyeur. J'en suis. Je sais. Parle. Okay, vous êtes responsable. Non! Vous travaillez. On est un. Ok, vous êtes chef des bûcherons. On va juste remplir la case des personnages. Il y en a du côté des villes. Ça devrait. Ok, bon. On saura quoi faire. Donc, on a gagné 200. C'est parfait. Niveau supplémentaire, vous entrez en mode bénédiction. Ok. Bon. Bah, c'est pas plus mal. Au moins, j'ai terminé une petite quête. Bon, par contre, hein, voilà, la quête des monstres et tout ça, je le ferai chez moi. Tout simplement. Alors attends, je dois tuer qui bloque la route. Ok, bon, ça c'est, faut que je parle à Vaska visiblement. Ça je le ferai en off. Voilà, c'est pas trop grave. On va surtout faire voilà, moi je voulais faire avec l'elfe là. Ok, hop. Et l'elfe il est juste là. Et en off je mettrai la pierre. Il y a juste à mettre la pierre, hein. C'est un peu comme les hôtels, vous savez, où il fallait allumer là les petites bougies là, rappelez-vous quand on était au faubourg. Donc c'est surtout ça. Donc voilà, bon, c'est un épisode un peu plus tranquille, hein, encore une fois, hein, mais voilà, un peu plus, les quêtes sont un peu plus ciblées quand même, on s'éparpille moins quand même. Donc voilà, je crois que c'est là, si je dis pas de conneries. Alors, ah, il y a Siegfried ici, je savais pas ça. Ok, Siegfried est dans les parages, bon, on va pas lui parler parce que sinon je ferai 50 000 quêtes. Alors, les druides, ok, c'est là. Alors, j'ai pas retrouvé le loup depuis, hein, donc si j'en croise, je le ferai. Oui. Oula, bonjour. Pas trop regarder non plus. J'étais pas. Mon dieu, j'étais pas prêt pour voir ça. Elle est très distinguée. Alors, on va pas aller plus loin. Alors, où est notre pote? Où est-ce qu'il est? Attends, il est où mon pote là? Attends, je l'ai perdu. Attends. Mais c'est pas possible ça. Mais comment ils font pour se perdre comme ça? J'ai donné la lettre à Vincent, je dois retourner voir Yveline. Ah, c'est bon. Alors attends, je me suis trompé de chemin, c'est pas possible. C'est d'énergie, feu de camp. Ouais, enchanté, moi aussi. Merde, mais il est où? Attends, ah, il y a des loups partout. Bon, écoutez. Bon, je vais chercher l'elfe et je vous dis à tout de suite. Ok, oh, tout le monde, désolé pour la grosse coupure. Alors, je vais pas vous mentir, ça fait un long moment que j'ai. Voilà, que j'avais fait l'ellipse. Alors, j'ai attendu l'elfe partout, je ne l'ai pas revu, mais je me suis souvenu que potentiellement la lettre, je ne l'avais pas remise totalement. Donc, écoutez, c'est pas grave, je la ferai en off, c'est pas très très grave. C'est pourquoi ? On va juste s'arrêter là, je pense, pour cet épisode, parce que pour moi, ça fait un long moment que je tourne quand même, je ne vais pas vous mentir, ça fait plus d'une heure vingt, je pense, facile. Sans compter les ellipses, hein, je dis bien. Donc, on va lui remettre enfin. L'annonce, je rappelle qu'il faut il fallait que je lui donne les peaux de loup. Sur de chasse royale est à moi, sinon je deviendrai mercenaire. Ok, bonne. Adieu. Voilà, on va s'arrêter là. Objet donné, au loup, 150 euros. Voilà, c'est de l'argent facile. On va s'arrêter là. Alors, je me suis renseigné encore une fois sur les quêtes. Voilà, je me suis un peu renseigné. Donc, pour rechercher, bon, ça, on sait. Hein. Mais ils sont pas en or. Voilà, il y a la lettre et la délation. Pour moi, c'est la délation qu'il fallait que je fasse. Bon, au pire, ça, je le ferai en off. Hein, c'est pas très très grave. Et au pire, si j'ai une info supplémentaire concernant Talar, bah, ça sera en off et je vous le montrerai.
Et après, il y a la quête avec les nains, vous savez, avec les histoires des hommes-poissons, mais il faut que j'aille voir Vaska. Et comme c'est un peu une quête un peu plus longue, voilà, je ne vais pas vous le faire, et d'autant plus que sur la carte, j'ai deux zones à faire en quête, donc ça, je pense que je le ferai de mon côté en off. Donc voilà, donc désolé, encore une fois, un épisode un peu plus centré, certes, annexe, j'en suis conscient, mais bon, voilà, au moins, on fait les choses progressivement, on profite un petit peu du jeu, tout simplement, et après, je pense que, là, en off, je vais compléter les dernières quêtes, et je ferai de mon côté, quand tout sera nickel, je ferai la suite principale avec vous. Alors, on a 9 points, quand même, c'est énorme. Alors, on va augmenter surtout la puissance de l'argent, parce que, clairement, j'ai pas l'impression qu'on fait beaucoup de dégâts. Parce que l'adversaire est sous le coup d'une incinération, d'accord. Ça, c'est dégâts plus coup. Ok, donc ça, on prend. Saignement plus 15, dégâts. Parce que l'argent, on l'utilise quand même beaucoup, quand même. On va pas se mentir. Dégâts plus 25, je peux pas. Ok, donc ça, c'est... Non, je peux pas. Ou alors, j'ai déjà pris, mais je m'en suis pas rendu compte. Dégâts plus 50. Allez, hop, c'est parti. Ok, bon, là, je peux pas aller plus loin. Hard, est-ce que je peux faire hard? Ça, on va améliorer, comme ça c'est fait. Chance de désarmer un adversaire. Ça, ça peut être pratique si on attaque. Dégâts plus 10. Coût en énergie 15. Dégâts dépendants de... Ok. Voilà. Et Irden. 6-6 de 25. Les dégâts dépendent de l'intensité du signe. Charge 4, intensité 25, coût de l'endurance. On va augmenter la douleur. Oh là là, on a plutôt bien amélioré. Je trouve on est à peu près équitable, hein, franchement, ça va en termes de choses. Est-ce qu'on est le cher, je peux faire des choses. Non, pas du tout. Ok, donc voilà. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, en off, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire les quêtes restantes. Et si tout se passe bien normalement, en fonction de là ou comment je vais avancer les choses, on enchaînera, je pense, progressivement vers la quête principale du détective. Donc voilà, désolé encore une fois pour cet épisode un petit peu confus comme pour le précédent, mais bon, on a fait un peu plus de choses déjà quand même que dans l'épisode précédent où on parlait énormément de trucs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo, cela me fera très très plaisir. Et puis écoutez, moi je vous retrouve comme convenu pour l'épisode 11, ouais, déjà épisode 11 quand même, pour la suite. Et puis, bah écoutez, si tout se passe bien, normalement, l'épisode prochain, on avance sur la quête principale. Et peut-être qu'en off, je vais faire mes occupations, c'est-à-dire prendre le nouvel équipement, tout ça, voilà, on fera les choses progressivement. Mais là, au vu des quêtes annexes qu'on a fait, je me suis dit que c'était intéressant quand même de vous les partager, donc... Voilà, tout simplement. Et que vous ne soyez pas trop perdu aussi en termes de quête, parce que si j'avais exploré la forêt et que j'avais vu tel ou tel personnage, vous aurez rien pigé. Au moins, vous avez une micro-base. Donc voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.